pas drôle, tout à l'heure vous aviez dit le nom en français. J'ai même pas attendu. Ok, bah, vous avez gagné un bonbon, vous voulez quoi? Ouais. Moi je vais vous lancer. Merci. Piégé. Ok, donc du coup ça s'appelle un eurou. Donc la traduction en fait littérale, e ça veut dire deux, donc deux cordes, puisque vous voyez, hein, il y a deux cordes. Et roux, en fait c'est un peu précis, c'est une appellation pour désigner en fait les peuples qui sont au-delà des frontières du nord de la Chine, dont la Mongolie. Donc en fait de base c'est un instrument qui vient de la Mongolie. Du coup, j'ai pas compris pourquoi on l'appelait violon chinois. Du coup, je sais pas qui sont les voleurs. C'est les Chinois. Okay. Bah, les Chinois sont les voleurs. Donc, on l'appellera violon de la Mongolie. Mais c'est un instrument traditionnel chinois. Voilà, allez comprendre. Donc, en fait, la prochaine musique. Ça décrit en fait les paysages de la Mongolie, dont, attention, je vais dire un mot très précis que personne ne connaît. Si vous connaissez, je pense que vous avez soit un certain âge, soit vous êtes très cultivé. Vraiment. Donc ça décrit en fait les steppes de la Mongolie. Attention. D'ailleurs, Chiu m'a fait la morale dessus parce que ça s'appelle la chanson des pâturages. Thank you.
Thank you.